Bonjour, Fantomas, bonjour. Ma soeur, tu... Ou mon frère, je ne sais même pas qui tu es. Dimanche matin, toi, tu ne vas pas à l'église? Tu ne vas pas prier le Seigneur? Dès que quoi aller allume, tu es déjà là. Il faut aller prier le Seigneur, dis-donc. C'est le jour du Seigneur. Bonjour. Bonjour, je te croyais au bled. Non, 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 je suis partout, je suis comme Dieu. Je suis comme Dieu. Je suis au pays, je suis ici, je suis au pays, je bouge beaucoup, je suis partout, au même moment. Omniprésent, omniscient, omnipotent. Bonjour, Fanto. Mes ancêtres veillent sur... Bonjour, bonjour à tout le monde. Ce matin, nous sommes dimanche, n'est-ce pas? Dimanche le 17 novembre, l'ère 2024. Sur la terre des hommes. Aujourd'hui, j'aimerais passer toujours comme d'habitude, mieux de vous. J'aimerais passer comme d'habitude un peu de temps avec les citoyens camerounais qui sont disposés pour qu'on réfléchisse ensemble et pour qu'on voit ensemble. Pour qu'on réponde à des questions. Bonjour Racine! Kamto, Kamto, président, Kamto, président. Les autres disent, les autres crient, préso, 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 préso. Le préso au pays, c'était souvent le, c'est ce qu'on a, bon, c'était le diminutif de préservatif. Et un président protège. Donc, quand on dit président, 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 on doit se dire préso. Et puis, il y a des Camerounais qui ont compris ça. Ah oui, il fait froid, le froid a recommencé. Mais j'adore ce moment parce qu'il y a la couleur de ce moment. Je suis vraiment fasciné par la couleur des arbres, la nature, ces couleurs jaunes, rouges, oranges, c'est beau, quoi. Donc parfois je marche comme ça, je conduis juste pour voir les couleurs. Non mais sinon il fait froid, c'est vrai, ça a recommencé. Bonjour Racine. Ah oui. Ah oui. Kamto, président. Kamto, président. Ah, tu entends préso, préso. So, ce matin donc, je voulais passer un petit moment de réflexion citoyenne avec vous. En faisant mon tour matinal dans la ville, parce que je suis du FBI, hein, je contrôle la ville. Et je voudrais partager avec vous le thème dont j'ai posté hier. Pourquoi Moïse, ni les Moïse, ni les Jésus n'ont pu sauver le peuple juif ou israélien. Ah, ok. Ah oui, ah oui. Ah oui, Racine, c'est ça, c'est ça. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez tous bien dormi. Pourquoi est-ce que je vais parler de Moïse et de Jésus? C'est pour que... Parce que juste c'est dimanche, premièrement. Aujourd'hui, c'est dimanche.
Et dimanche, c'est un jour spécial chez les Camerounais. Particulièrement chez les Camerounais. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour où on remercie Dieu de je ne sais pas de quoi. C'est le jour où on parle à Dieu. C'est le jour où on écoute la parole de Dieu. C'est le jour où je ne sais pas quoi. Bon, bref, c'est le jour, un jour extraordinaire. Pendant ce temps, nous, ou bien moi particulièrement, j'ai choisi ce jour pour parler de politique. Parce que je suis d'avis que la politique et le Seigneur ont quelque chose en commun. Dieu et la politique font un. D'ailleurs, si Dieu est le créateur du monde, alors il est le créateur de tout ce bras. Il est le créateur de la politique. Il est même l'instigateur de la mauvaise et la bonne politique, au cas où ça existerait. Donc, moi, j'ai choisi de parler plutôt de la politique, pendant que d'autres vont sûrement actuellement, sont en train d'aller, ils sont en train de s'habiller pour aller parler à Dieu. Je ne sais pas ce que les gens vont souvent dire à Dieu. C'est pas que je ne sais pas ce qu'ils disent, puisque moi-même j'ai eu à dire des choses à Dieu. Mais je ne comprends pas pourquoi à un certain âge, on arrive à comprendre que Dieu n'écoute pas. Que Dieu n'a pas les oreilles pour entendre. Dieu n'écoute pas, il n'a pas d'oreilles. Dieu n'existe pas. Ce qui écoute ou celui qui écoute, c'est ce qui existe. Pour aller parler en langue. Ce qui écoute ou ce qui parle, c'est ce qui existe. Lorsqu'on dit que quelque chose existe, c'est lorsque cette chose est physiquement et mentalement capable on ne dit jamais la chaise existe. Vous ne verrez pas quelqu'un vous dit la chaise existe, non? Non, jamais. Personne ne vous dira la voiture si existe quoi. Qu'est-ce que tu veux dire là? Mais ça existe. Rien. Pourquoi? Parce que la voiture, la chaise, n'est pas capable de procéder des informations. La chaise, la voiture n'est pas capable de procéder des informations, n'est pas capable de cogiter, n'est pas capable de ressentir. La chaise ne peut pas ressentir. Elle n'émote pas, elle n'a pas des émotions. Je pense que je suis sur la bonne place. Je crois que non. Excusez-moi. La chaise n'a pas d'émotion. Le chien n'a pas d'émotion. Ok, je suis la bonne place, je crois. Salut, donc c'est de ça qu'il est question. Lorsqu'on dit que quelque chose existe, c'est quelque chose qui a des émotions. C'est quelque chose qui, à base ou à partir de ses émotions, peut entamer une action.
C'est cette chose qui peut, à base des émotions, entamer une pensée. Et pensée qui peut pousser à l'action. Donc, si vous voyez quelque chose qui ne peut pas, qui n'a pas d'émotion, si vous, je sais pas, si vous imaginez quelque chose et que cette chose n'a pas d'émotion, ne peut pas penser et ne peut pas agir à partir de ces émotions et de cette pensée, cette chose n'existe pas. Donc, lorsque vous parlez à Dieu, lorsque vous parlez à Jésus, je ne sais pas quoi, à Dieu, peu importe, à quelque chose qui n'existe pas, sachez que ça n'existe pas. Que vous êtes en train de parler à vous-même. À Yaoundé, au niveau de l'avenue Kennedy, ceux qui connaissent Yaoundé, bon, c'est un peu ça, parce que j'ai grandi, je connais un peu bien Yaoundé. Comment on appelle ça? Comment on appelle? Où il y a la Béac, là. À la Béac, Marie Gauquer, un peu le carrefour m'échappe, le nom du carrefour m'échappe, pourtant j'ai passé du temps là-bas. Mais sinon, voilà, Fantomas dit parce qu'elle est inanime. Donc, sinon, quelque chose qui n'existe pas ne peut même pas être inanimé. Inanimé veut dire qu'elle est possible d'être animée. Inanimé veut dire qu'il y a possibilité d'animer. Par exemple, le corps. Quand quelqu'un est mort, son corps est inanimé. Mais ce corps a été animé. Alors que lorsqu'il s'agit de Dieu, il n'y avait même pas la possibilité d'inanimation. Il n'y a pas la possibilité d'animation, donc il n'y a pas de possibilité d'inanimation. Lorsque je dis que ça n'existe pas, c'est que, en fait, ça n'existe pas. C'est une création, Dieu est une création de ce qui existe. Kaofu Elixono, merci, Fantomas. Dieu est une création de ce qui existe. Je veux que vous partagiez le live parce que nous allons dire pourquoi Moïse et Jésus n'ont pas pu sauver le peuple juif ou israélien. Et ceci, c'est en rapport avec le dernier 6 avril, le 6 novembre, où il y a eu des campagnes qui ont présenté M. Biya comme étant Moïse, comme étant Jésus. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. En 2022, il y a eu une campagne ici, ou bien un monsieur ici qui a même fait la presse. Ici en Allemagne, il était président des jeunes, la section des jeunes du RDPC en Angleterre, qui a aussi eu à raconter ce genre de choses. Monsieur Biya, c'est le Moïse qui traverserait la terre, promis, qui mènerait le peuple camerounais à la terre promise, et qui depuis plus de 40 ans a souffert avec le peuple, blablabla. Parce que selon eux, les 40 ans dans le désert de Monsieur Moïse, selon la Bible, et les 40 ans de M. Biya, en ce moment c'est 40 ans, 40 ans de M. Biya à la tête du pouvoir, ont quelque chose de similaire. Donc je commence d'abord par dire que, premièrement, Dieu n'existe pas. Dieu est une création imaginaire de ce qui existe. Ce qui existe, c'est toi. Et c'est parce que tu as peur de toi. C'est parce que tu as peur. C'est parce que tu ne te connais pas. C'est parce que tu ne te maîtrises pas. C'est parce que tu as peur de faire face à toi que tu as créé Dieu.
C'est parce que tu ne connais pas tes capacités. C'est parce que tu n'as pas de limites. Et parce que tu n'as pas de limites, tu as créé Dieu. Dieu te donne la sensation des limites. Dieu te donne la sensation d'avoir des repères. Dieu te donne la sensation de savoir pourquoi tu es là, ce que tu fais là, d'où tu es, d'où tu viens. Je veux que chacun d'entre nous pose cette question sincèrement. Parce que tout ce que nous faisons dans la vie, c'est pour éviter cette question. Tout ce que nous faisons, c'est une façon de fuir cette question. Qui sommes-nous? Pourquoi tout ça existe? Ça a commencé comment? Vous aurez des réponses. On nous a déjà donné des réponses, n'est-ce pas? Dieu, partagez, partagez, invitez les amis, partagez, parce que ce que je fais aujourd'hui, sera très grave. Et c'est très important pour le combat. Je partage aussi. Je partage. Je veux que les gens viennent écouter. Parce qu'il ne faut pas dire demain qu'on ne m'avait pas dit. On partage, on partage, on invite les amis. Je veux qu'on comprenne quelque chose. Ce qui existe, c'est toi, c'est moi. Il n'y a que toi qui existe. Mais c'est parce que tu as peur du fait que tu es illimité. Tu as peur de ton existence, que tu as créé quelque chose qui te limite. Tu as peur d'être libre. Tu as peur d'être capable. Alors tu as imaginé quelque chose qui te met dans les limites que tu appelles Dieu. Dieu te conserve. Dans cet univers infini, l'idée de Dieu te conserve. Ça te donne l'impression d'avoir un espace à toi, un repère. Bonjour Lormic, je t'ai partagé, bonjour. Il faut se poser ces questions. Je sais que quand quelqu'un a faim, quelqu'un cherche la femme, quand quelqu'un cherche l'argent, quand quelqu'un veut construire une maison, veut devenir, je ne sais pas quoi, veut avoir un nom. Très souvent, les questions existentielles ne sont pas importantes. En fait, beaucoup font même d'autres choses juste pour ne pas avoir le temps de se poser des questions existentielles. Juste pour fuir les questions existentielles. Je dis donc que Dieu n'existe pas. Et ma sœur Rosine, c'est ma sœur jumelle, on a dans la même maison, donc saluez là, c'est vraiment, et si vous avez cherché, c'est elle là, il faut les trouver. Elle peut vous dire, je sors d'une famille où on nous a fait comprendre que Dieu existe. Et on devait prier Dieu tout le temps, dimanche, le jour du Seigneur, parce que c'est Dieu qui nous a créés. On a vu les réponses à toutes les questions, on nous a inventé des réponses. Mais personne ne pose la question, qui a créé Dieu? Si Dieu nous a créés, si la logique, c'est de quitter jusqu'au premier créateur, parce qu'on dit que c'est Dieu qui nous a créés, Dieu a créé Adam et Ève, blablabla, après nous sommes là aujourd'hui. Qui a créé Dieu? Posez-vous cette question avec une sincérité. Je ne veux pas les gens qui se posent des questions simplement pour s'opposer, juste pour dire, ah, qui a créé Dieu, puis passe à autre chose. Posez-vous les questions, qui a créé Dieu? Parce que si il y a création, même Dieu a été créé. Moi, je me suis posé cette question et chaque fois que j'arrive à ce niveau, quelque chose se passe en moi. Chaque fois que j'arrive à la question,
Et qu'est-ce qui a créé Dieu? Lui, il est venu comment? Lui, il a apparu comment? Lui, c'est quoi? Il y a comme une folie qui veut commencer. J'ai l'impression que ce qui est moi veut exploser, veut disparaître. J'ai l'impression que tout ce qu'on m'a raconté est un mensonge. Parce que je ne suis que ce qu'on m'a raconté. Je suis le descendant d'Adam et Ève, Dieu m'a créé, je suis le fils de Jésus, je suis la tante de Joseph, je suis. Fantômas dit, une vérité, c'est qu'elle a faim, elle ne veut pas réfléchir. Et tu as raison, tu as raison. Si tu as faim, c'est pour cela que ceux qui veulent nous dominer nous ont gardés dans la famine. Parce qu'ils savaient qu'on allait se poser ces questions. Et ils n'avaient pas de réponse à ces questions. Alors, pour que le monde continue à fonctionner d'une certaine façon, pour que d'autres continuent à piller d'autres, continuent à écraser, à dominer ou à oppresser d'autres, il a fallu imaginer une idée géniale. Que tu es le créature de Dieu, tu es, je ne sais pas quoi, la fille de Dieu, le fils de Dieu, et que Jésus, Dieu a envoyé Jésus pour mourir pour toi, alors tout ce que toi tu as fait, c'est de chercher la rédemption toute ta vie. Tu es l'enfant du péché, tu es le fruit du péché, et comme tu es le fruit du péché, automatiquement, la seule façon de retrouver la rédemption, c'est de servir ou bien de faire la volonté de Dieu qui t'a créé. Ça, c'était le discours. Beaucoup vont se dire, mais quoi, tu parles de quoi? Qu'est-ce que ça a à voir? Bon, qu'est-ce que tu es devenu quoi au pasteur aujourd'hui? Ou bien, c'est quoi? Tu veux critiquer les religions des gens? Là, chacun a sa religion, chacun a sa religion, chacun a son truc, chacun. Je suis d'accord. Moi, je parle du fait que on nous a dit le dernier novembre, le 6 novembre dernier 2024, que Monsieur Paul Biya était Moïse. Monsieur Biya était Moïse. Il était Jésus. On a écrit des livres. Pourquoi les gens se retrouvent à écrire des histoires sur, comment, se retrouvent à faire des comparaisons d'un homme à Monsieur Biya, d'une image, d'une icône religieuse avec Monsieur Biya, parce que ces personnes ont un conditionnement religieux. Ces personnes ne le font pas parce qu'elles sont méchantes. Les gens qui écrivent et qui disent que Monsieur Biya serait Moïse, les gens qui disent que Monsieur Biya serait Jésus, les gens qui disent que Monsieur Biya serait le Sauveur, ne sont pas des personnes méchantes ou diablotines ou bien des mauvaises personnes. C'est, elles produisent simplement ce qu'on nous a tous inculqué. Si tu dis à un enfant que Dieu est le créateur, automatiquement, tu auras besoin des sauveurs. Tu auras besoin des sauveurs. Parce que ces enfants ne verront jamais le créateur. Tu devras leur raconter que ce créateur, en fait, a telle volonté, telle volonté, telle volonté. Alors, pour que ces enfants adhèrent à cette idée de créateur, il faudrait avoir quelque chose qui est comme une colle. Une colle. Et c'est l'idée du salut, l'idée du péché, l'idée de l'esclavage, l'idée de la libération de l'esclavage, de la servitude. Un enfant qui est né, qui est le fruit du péché, naît dans la servitude psychologiquement. Et il passe toute sa vie à vouloir sortir de cette servitude satanique ou bien du péché pour se retrouver entre les mains et le salut du Dieu créateur, de la sainteté, au ciel, au paradis. Il pleut ici, hein? Il pleut ici, donc
Les gens qui ont dit que M. Biya serait Moïse ne sont pas méchants. En fait, si vous regardez le parcours de M. Biya, c'est exactement le parcours de Moïse. Et il faut comprendre que M. Biya est un séminariste. Donc, le produit de ce conditionnement. M. Biya ne peut pas refuser les livres que ces gens ont écrits. M. Biya y croit fermement. Lui aussi, c'est le produit de ce conditionnement. M. Biya est un ancien séminariste. Je ne sais même pas pourquoi on dit ancien. C'est comme s'il a abandonné, mais maintenant entré dans quoi? Bon, de toute façon, il y croit fermement. Tous ces militants y croient fermement. Soixante-dix pour cent de la population camerounaise y croit fermement. 100%, parce que même les musulmans y croient. Donc, 100% de la majorité, la population camerounaise, la grande majorité, disons 99,9%, parce qu'il y a certains qui n'y croient pas, croient à l'histoire de Dieu, le Créateur, à l'histoire de Moïse, envoyé par Dieu pour libérer le peuple d'Israël. Par conséquent, la grande majorité, quand elle regarde donc, quand elle fait la comparaison entre l'histoire de Moïse qu'on leur a racontée et l'histoire de M. Biya, on voit quand même une similitude. Mais est-ce que le fait que deux choses soient similaires, ça veut dire que ces choses sont justes ou bonnes? Je peux voir un homme qui a réussi à tuer des gens pendant 40 ans dans un désert. Et je vois un autre qui a réussi à rester au pouvoir pendant plus de 40 ans dans un pays. Est-ce que ça veut forcément dire que ces personnes ont fait quelque chose de bien? Je ne crois pas. Donc le fait que M. Biya soit Moïse, le fait que M. Biya soit le sauveur, le Jésus, je ne sais pas quoi, ne dit pas que M. Biya est bon. Ça n'implique pas que M. Biya est juste. Ça n'implique pas que M. Biya a bien fait. Parce que ce n'est pas parce qu'on a fait 40 ans dans le désert avec les enfants d'autrui. Et qu'on a fait plus de 40 ans au pouvoir, en train de garder les enfants d'autrui dans la misère, que forcément, on est quelqu'un de bon. Que forcément, on est quelqu'un de juste. Monsieur Moïse, dans la Bible, il nous a dit que le peuple d'Israël était en esclavage en Afrique. Et d'ailleurs, les Africains sont les premiers à prendre les gens en esclavage. Et nous, arrêtons de nous plaindre, on nous a pris en esclavage et tout. Selon la Bible, nous sommes les premiers à avoir pris les Juifs en esclavage. Ce sont nos pharaons. Selon la Bible, moi, je ne connais pas, je n'étais pas là. Je veux qu'on comprenne les choses telles qu'elles sont. Parce que nous sortons tous les matins, nous allons entrer dans les églises, nous allons entrer dans les tunes, nous lisons des Bibles, nous partageons des histoires écrites, tout ça. Mais personne ne comprend le fond. Quand vous partez le matin, dites que le peuple d'Israël a été libéré d'Égypte, sachez que vous êtes en train de confirmer que l'Afrique était le premier continent qui a pris en esclavage les Juifs. Que les Africains étaient les premiers esclavagistes. C'était les premiers négriers. Bon, pas négriers, les premiers juifiers.
Les premiers nazis tuaient les juifs. C'est ce que ça veut dire. Hein? Moi, puisque l'Égypte, c'est notre terre. Ok. Je vais d'abord répondre à la question de ma soeur Rosine. Elle dit, Fabrice, la problématique sur l'existence d'un Dieu est très complexe. Pourquoi les présidents américains mettent toujours Dieu au-dessus? Américains, partagez, les gars ne blaguent pas. Mettent toujours Dieu au-dessus de tout alors qu'ils sont le continent le plus riche, à se demander. C'est exactement parce qu'ils sont, ils savent que c'est comme ça qu'on devient plus riche. Ma soeur Loming, s'ils seraient, parce qu'ils ne sont pas le continent le plus riche au continent africain, ils sont peut-être le lieu où sont concentrées la majeure partie des riches dans le monde. Mais ce n'est pas le continent le plus riche. Ils sont peut-être le lieu où sont concentrés les plus riches dans le monde. Mais ce n'est pas le continent le plus riche. Le continent le plus riche, c'est l'Afrique. Il faut d'abord changer notre façon de parler, de concevoir, de comprendre ce qui se passe. Mais pose-toi la question, pourquoi eux, ils aiment parler de Dieu? Parce que c'est l'idée géniale. Si tu veux devenir riche, sans avoir les richesses, si tu veux que les gens te donnent des richesses, si tu veux prendre les choses des gens, il faut mettre le timbre, par force, il faut mettre le timbre de Dieu dessus. Dès que tu dis que c'est Dieu qui t'a envoyé, c'est fini. Les gens se couchent. Dès que tu dis que tu es le choisi de Dieu, c'est terminé. C'est terminé. J'espère que j'ai répondu à ta question. Premièrement, excusez-moi, il fait un peu froid, je suis obligé de... Premièrement, les États-Unis n'est pas le continent le plus riche, non. Le continent le plus riche au monde, c'est l'Afrique. Même eux-mêmes, ils disent, dans leurs recherches scientifiques. C'est juste qu'aux États-Unis, la majeure partie des riches vont se cacher aux États-Unis. Parce que les États-Unis ont une politique impérialiste, une politique de prévarication. Elle protège les bandits, les voleurs, les menteurs, les pilleurs. Le mieux. Les États-Unis protègent ces gens-là le mieux. C'est pour ça qu'une minorité de personnes qui est riche, les plus riches dans le monde se retrouvent là-bas. La grande majeure partie des gens aux États-Unis sont misérables. Ils n'ont rien d'extraordinaire. C'est d'abord que j'espère que je me suis fait comprendre. Ils utilisent le nom de Dieu parce que c'est en fait la tactique de l'oppression. C'est le discours de l'oppresseur. C'est l'arme de l'oppression parfaite. C'est terminé. Donc je reviens. Monsieur Biaé Moïse. Oui. Monsieur Biaé Jésus. Oui. Partagez. Restez. Écoutez, partagez, restez, commentez. Monsieur Biaé Moïse, oui. Monsieur Biaé Jésus. Oui. Mais ce n'est pas parce que Monsieur Biaé Jésus ou Moïse que ça veut dire que Monsieur Bia est juste. L'histoire nous dit que Moïse est parti. Il est né, je ne sais pas où, et c'est une famille, un pharaon qui l'aurait élevé. C'est fort ici, hein? Donc, c'est un pharaon qui aurait élevé Moïse, qui aurait sauvé Moïse, selon l'histoire de la Bible, les films que nous avons vus.
Ce pharaon, donc, sauve Moïse. Et Moïse trahit les pharaons. Moïse a trahi les pharaons. Il a trahi l'Égypte parce que Moïse est sauvé et c'est lui qui se retourne contre l'Égypte pour libérer le peuple juif ou bien le peuple israélite, je ne sais pas quoi, ces gens-là, de l'endroit où ils étaient. Si M. Biya était Moïse, comprenez que M. Biya a trahi ceux qui l'ont sauvé. Qui a sauvé M. Biya? C'est le peuple camerounais. Oui, oui, il pleut des cordes, il pleut vraiment. C'est le peuple camerounais qui a accepté par pitié, par ignorance, par bon cœur, comme la femme du pharaon, M. Biya. Monsieur Biya a donc décidé, il a vécu sous les armoiries du peuple camerounais, comme Moïse sous les armoiries du peuple égyptien. Il a profité de la production, de l'intelligence, de la connaissance égyptienne. Excusez-moi si vous ne m'entendez pas très bien là. Je suis obligé de crier. Parce qu'il pleut sérieusement. Monsieur Biya a donc profité de ça. Et qu'est-ce qu'il fait? À la fin, il trahit le peuple camerounais. D'abord, il faut d'abord comprendre ça. C'est un trahisseur. Il a été sauvé. Le peuple camerounais l'a accepté. Comme Moïse, hein, c'est vrai, M. Biya, c'est Moïse. Alors, M. Biya dit donc à un certain moment que lui... Ok, merci, super. M. Biya dit donc que lui... Il est Moïse. Et qu'il va sortir le peuple camerounais de la servitude. C'est la promesse. C'est ce que les Camerounais avaient dit. Ok, je ne vais pas crier. C'est ce que les Camerounais avaient cru. Que M. Biya allait les sortir de la domination, de la servitude de l'Empire romain. L'Empire romain qui aujourd'hui symbolisé par la continuité qu'on appelle la France-Afrique. Monsieur Biya Moïse avait donc fait cette promesse. Il a dit que il va nous mener à la terre promise, au bout du tunnel. Monsieur Biya dit qu'il va nous mener au bout du tunnel. Le bout du tunnel, c'est la terre promise. Lorsque nous arrivons au bout du tunnel, nous aurons un Cameroun prospère, un Cameroun heureux, des Camerounais libres et souverains, des Camerounais qui seront vraiment fiers de vivre, d'exister, d'être nés au Cameroun. Des Camerounais, un pays démocratique, où personne n'aura plus besoin de fuir son pays parce qu'il aurait exprimé des opinions contraires. C'est la même chose que Moïse avait fait. Moïse a dit aux Israélites, je vais vous libérer, je vais vous mener sur une terre promise, où coule l'eau et le miel, le lait et le miel. Avant, on ne boit pas l'eau, on boit seulement le lait et le miel. Qu'est-ce que Moïse a donc fait? Moïse a ramassé les gars, puisque si vous vivez en esclavage,
Si vous vivez en esclavage et que quelqu'un dit qu'il est votre Moïse, qui va vous sauver, qui va vous libérer, la probabilité que vous croyez à ça est plus grande. Puisque vous avez vécu dans l'esclavage pendant plusieurs années, dans la servitude pendant plusieurs années, vous avez même perdu les forces de vous libérer. Vous ne concevez même plus une autre chose que la libération, que l'esclavage, pardon. Vous commencez même à croire que l'esclavage, c'est votre nature, que c'est votre destinée, c'est votre destin. Et puis un homme vient et vous dit, non, ce n'est pas votre destin. Moi, je vais vous enlever ici, je vais vous amener là-bas. C'est ce que Moïse avait fait. Moïse prend donc le bâton de pèlerin. Vous savez, ce qui est très fort, qui m'amuse chez les sauveurs, c'est qu'ils ont leur degré de confiance en soi, de confiance là, la foi. la foi là, quand on dit que la foi, c'est trop fort. Eux, ils ne fonctionnent que par la foi. Ils ont foi en ce qu'ils disent, ils ont foi en ce qu'ils pensent, ils ont foi en leurs rêves, leurs hallucinations. Moïse hallucinait. Moïse hallucinait une terre promise où coulerait le lait et le miel et où il allait mener ses populations, les Israélites, qui étaient en esclavage en Égypte, en Afrique. Donc ça veut dire que les Africains, en fait, la souffrance que nous vivons aujourd'hui, c'est que les autres se vengent de nous, parce que nous les avons pris en esclavage les premiers. Peut-être c'est ça. Si on lit bien la Bible et qu'on cogite bien, peut-être c'est ça. Ok? Alors Moïse entraîne, tout ça c'est les fanfaronnades, alors Moïse entraîne un tas de personnes, d'esclaves avec lui, de pauvres esclaves qui n'avaient que, d'autres avaient leurs chèvres, quelques chèvres, d'autres avaient quelques poules, d'autres avaient quelques chameaux, quelques ânes. Les gens étaient des pauvres esclaves. Ils traînent avec eux dans le désert. Pendant 40 ans, pendant 40 putains d'années, pendant 40 putains d'années, Monsieur Moïse se balade avec les gens dans le désert. Jamais la terre promise n'a été atteinte. Et si vous lisez bien la Bible, les gens ont commencé à se plaindre. Oh, tu aurais dû nous laisser là-bas. Là-bas, on avait de quoi manger. Là-bas, même, on avait au moins où dormir. Là-bas, on était quand même bien ici, là. Depuis que tu nous as promis. Vous, ceux qui ont lu la Bible, ceux qui connaissent l'histoire, est-ce que c'est pas vrai? Ils étaient à la richesse. Moïse était à la richesse de la terre promise. Dans le désert. Avec les enfants entre lui. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Moïse était dépassé. Moïse était dépassé. Qu'est-ce qu'il va faire? Le gars a halluciné que il avait dormi la nuit, il a fait des rêves. Tu sais que quand les gens sont un peu malades mentalement, ils ont de ces rêves. Je parlais avec Dieu, j'ai parlé avec ceci, j'ai vu cela. Le matin, il raconte ça aux gens. Et quand les gens ont soif de bonnes choses, les gens croient en ces histoires. Donc Moïse, il faut que je le vous, qu'on soit conscient tous de l'histoire de Moïse, pour qu'on comprenne l'histoire de M. Paul Biya. Pour qu'on ne nous trompe pas.
pour que le peuple camerounais ne tombe pas dans le piège des émotions. Oh, Moïse, oui. Et puis, on te parle de Paul Biya, après, subitement, on te parle de Moïse, tout ton esprit va être attrapé par l'histoire de Moïse et tu vas voir la grandeur de cette histoire, tu vas voir la puissance de cette histoire et tu vas adhérer à l'histoire, mais tu vas oublier que dans la réalité, on te parle d'un monsieur qui a appauvri les Camerounais, qui a humilié les Camerounais, qui a détruit la liberté d'expression chez les Camerounais, qui a emprisonné les Camerounais. Tu seras seulement capté sur l'histoire de Moïse. Moi, je vais donc te raconter l'histoire de Moïse. La vraie histoire de Moïse. Là, pour que tu fasses la similitude avec celle de celui qu'on t'a présenté comme étant Moïse. Là, tu comprendras la vraie histoire. Donc, Moïse, pardon. Oui. Moïse dit donc que, oui, que les rêves, les gens font comme ça. Moïse ne savait pas, il avait la foi. La foi que les gens ont. La foi, c'est croire aux choses qu'on ne voit pas et tout. Moïse ne voyait pas la terre promise. Eux-mêmes, ils disent ça dans la Bible. Ils ont défini ce que c'est que la foi. Tu n'as pas besoin de voir la chose. Il suffit de dire que il y a une terre promise là-bas. Et comme j'ai la foi, je pars. On suit seulement. La foi est aveugle. Ce dont nous avons besoin dans la vie, c'est la clarté de perception. Tu peux avoir la foi que tu vas traverser cette autoroute et rien ne va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne vas pas la traverser les yeux fermés. Parce que tu as besoin de regarder d'où vient de quelle direction vient la voiture. La foi, ce sont les yeux des gens qui n'ont pas Dieu. Les gens qui ont les yeux n'ont pas besoin de la foi. Les yeux, ils ont une clarté de perception. Ils savent où ils vont, ils savent exactement là. Donc, Moïse donc a dit aux Israélites qui étaient en esclavage en Afrique qu'il va les libérer de l'oppression. Et qui va les mener au désert, ils vont arriver à Canaan où coule le lait et le miel. Ce monsieur a fait 40 ans. Avec le peuple de Touy au désert. Ils ont tourné en rond, Moïse cherchait l'endroit, il ne savait pas. Le peuple d'Israël commençait à se plaindre. Les petites provisions qu'ils avaient, ces pauvres gens, sont finies. Beaucoup sont morts au désert. Même le peu qui est resté était déjà mort. Était mort intérieurement. Moïse était avec les enfants de tribu au désert. Les gars disaient, oh, tu nous as abandonnés ici. Hein, maintenant, voici maintenant ici. Tu avais dit que la terre, c'est même où est le miel, où est le lait. Les gens pleurent, les esclaves pleuraient. Moïse était dépassé. Moïse a eu des problèmes. Il va maintenant dire quoi? Il va répondre que quoi? Que c'est comment? On nous dit que Moïse est monté sur le mont. Sur le mont Sinaï, si c'est quoi, un truc comme ça. Il est monté là, parti à la montagne. On nous dit qu'il est parti par les 10 commandements, il est parti par là à Dieu. C'est faux! Tu ne peux pas traîner des milliers de personnes dans le désert. Les torturer de famine et de soif. Les torturer de famine et de soif. D'autres meurent, sont morts. Et faire face à ça. Non. En fait, Moïse est parti. Il voulait un peu se retirer. Voilà. Vous commencez à comprendre. Merci, Orti, Orti. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous connaissez.
Qu'est-ce qui se passe? C'est que Moïse, le peuple, Moïse fuit. Moïse fuit. Il va sur la montagne. Comme vous voyez Moïse camerounais fuir, aller s'asseoir en Suisse pendant des mois. C'est qu'il n'est pas parti là-bas pour prendre les commandements ou bien je ne sais pas quoi. Dieu ne lui a pas parlé, non. Il est parti là-bas parce qu'il voulait se retirer de ce peuple. Il ne voulait pas voir son échec. Moïse ne voulait pas voir qu'il a trompé et qu'il s'est lui-même trompé. Moïse ne voulait pas voir qu'il a trompé les Israélites et que lui-même s'est trompé. Parce qu'il souffrait d'hallucinations. Il souffrait d'hallucinations. Il est monté dans la montagne pour se cacher. Ce n'est pas quelqu'un de bête. Moïse a vécu avec l'aristocratie égyptienne. Donc c'était quelqu'un qui était cultivé en ces temps-là. On pouvait dire cultivé. Donc le gars s'est dit, comment est-ce que quand il va descendre, il va faire comment? Il a compris que la seule façon de contrôler ceux qui, quand ils descendent là, de les contrôler, c'est d'écrire des lois. C'est d'écrire des lois. C'est de dire qu'à partir de là, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait pas comme ça. Parce qu'il a compris que mon frère, il n'arrivait plus à gérer ce désordre. Et quand il allait descendre, il allait présenter ses lois comme étant des nouvelles lois et comment le peuple allait se marcher pour que les choses marchent. C'était pour ramener de l'ordre. Moïse était juste un lawmaker. C'est-à-dire que c'était juste un constitutionnaliste. Il était bien éduqué, hein? Écoutez, Moïse, c'est un enfant de l'aristocratie pharaonique. Ce n'était pas un esclave israélite, un pauvre constructeur de pyramides, constructeur de pyramides. Non, ce n'était pas un tireur de grosses pierres à la main. Ce n'était pas un tailleur de pierres. Donc, il ne faut pas sous-estimer la capacité de Moïse d'imaginer des lois. Est venu vous dire que, oh oui, c'est Dieu qui a donné les lois, si, c'est Dieu qui a dit qu'à partir de maintenant, on va fonctionner. C'est parce qu'il y avait du chaos dans le désert. Les gens voulaient sa peau. Les gens voulaient sa peau. Il y a eu des séparations, des pivots, il y a eu des morts, il y a eu des troubles, des révolutions, il y a même eu des manifestations publiques. Le gars a dit que merde. Comment il veut faire? Comment il veut faire? Moi-même, j'ai cru à cette histoire qu'il y a un truc qu'on appelle terre promise ici et tout et tout. J'hallucinais. C'était qu'un rêve, c'était qu'un cauchemar. J'ai partagé avec ces gens. Et comme j'étais l'aristocrate, ils m'ont cru. Puisque ces pauvres esclaves, ils peuvent croire en quoi? Ils ne peuvent que croire. Maintenant, je ne sais pas. Depuis que nous sommes 40 ans dans ce désert, je ne vois même pas un oasis. Même pas un oasis. Où je peux abriter ces gars, un peu d'eau. Pour embellir l'histoire, on dit que la manne tomba du ciel. Donc, elle dit qu'un moment même, le peuple juif ou israélite, disons ça, le peuple israélite, hein, se nourrissait des dons du ciel. On appelle la manne. Dans une nourriture qui tombait du ciel et tout, comme tombent les nourritures du FMI aujourd'hui chez le Moïse du Cameroun. Parfois, comme ça, on ne s'en sort pas. Et subitement, le Cameroun a reçu 20 milliards de francs CFA du FMI et des banques internationales. La manne tombait du ciel. Moïse avait échoué totalement à son projet parce qu'il hallucinait. Moïse souffrait d'hallucinations. Fin de fin, coupons court, Moïse lui-même n'a pas vu la terre promise. Et les gars qui étaient avec lui, jusqu'aujourd'hui, ne voient pas la terre promise. Jusqu'aujourd'hui,
Allez regarder où ils habitent. C'est l'endroit le plus brûlant actuellement sur la terre. C'est l'endroit le plus en feu. Moi, je vous dis que ce qu'on a besoin de la clairvoyance, la clarté de perception. On n'a pas besoin de la foi. La foi ne va pas nous sauver. Foi en Moïse, que tu es un sauveur, tel est un sauveur, tel est un sauveur. Regardez la réalité de l'œil, ce qu'il vous raconte de Moïse. Jusqu'aujourd'hui, l'endroit qui a été appelé la terre promise, c'est l'endroit le plus aride. C'est là-bas que brûle actuellement le feu. Il y a Kelanina qui dit, tu mens. Ok, peut-être tu as d'autres idées. On dit qu'ils ont vu la terre promise. C'est où? S'ils ont vu la terre promise, la terre là actuellement, c'est là-bas qu'il y a toutes les souffrances rassemblées actuellement. Moïse a abandonné dans un désert où il n'y a rien. Rien, absolument rien. Le lait ne coule pas là-bas. Le miel ne coule pas là-bas. Ils sont là-bas en guerre depuis. C'est pas la guerre, le sang coule là-bas depuis. Voilà le résultat de Moïse. Et on vous dit donc qu'un messie au Cameroun serait Moïse. On l'appelle Paul Biya. On l'appelle Paul Biya. Serait Moïse. Mais vous devez comprendre l'histoire de Moïse. Comprendre que Moïse a échoué. Et faire la similitude avec l'échec de M. Biya. M. Biya vous a dit qu'il allait vous donner quoi? Une terre promise camerounaise. Idéologiquement, une terre où les droits des hommes sont respectés, la démocratie. Et la prospérité. Fantomas dit que ça n'enlève pas le fait que ce soit la terre promise. Il y a une différence. Ici, le point, ce n'est pas la terre promise. C'est ce que cette terre promise serait. Là où coule le lait et le miel. C'est là-bas que les bombes coulent. Ok? Donc, n'essayez pas de me prendre sur les mots. La terre promise n'était pas la plus importante. S'il avait dit aux esclaves en Égypte qu'il les amenait au désert, je ne pense pas que beaucoup auraient accepté. Pour qu'ils acceptent, il a fallu qu'il leur raconte de cette terre-là, de cet endroit. N'est-ce pas? Il a fallu qu'ils aient cet endroit. Qu'ils trouvent un endroit. Il faut qu'il a fallu qu'ils disent les caractéristiques paradisiaques de cet endroit pour que les gens adhèrent. C'est un peu la même chose. Quand on vous dit que le Moïse camerounais, M. Paul Biya, a dit rigueur et moralisation, les grands chantiers, vous voyez le bout du tunnel. La démocratie, il y aura la démocratie et la prospérité. Si M. Biya disait seulement que je veux être président du Cameroun, les gens n'allaient pas écouter. Il fallait associer à son magistère ou bien à son projet des belles images idéologiques pour que les pauvres Camerounais et villageois dans les campagnes puissent adhérer à ce projet. C'est pour cela qu'après 40 ans au pouvoir, les gens écrivent des livres sur M. Biya, le Moïse.
Kelani Nina dit, ça se voit, tu ne comprends pas les Écritures, tout simplement. Ok. Le problème, ma sœur Kelanina, c'est que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui hallucine, qui dit « j'hallucine ». Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui pense comprendre, dit « je ne comprends pas ». Kelanina, tu as été bombardé de cette histoire. Tu comprends. C'est moi qui ne comprends pas. C'est moi qui ne comprends pas. Toi, tu as été né avec un cerveau extraordinaire. Tu es né avec un cerveau extraordinaire. Tu comprends les choses compliquées. Moi, où tu me vois là, je parle de la compréhension la plus simple. J'utilise mes sens. Je n'ai pas un cerveau extraordinaire. Je ne peux pas m'offrir. Je ne peux pas m'inventer. Voilà pourquoi je donne ma version de ce que j'ai lu. Ce que tu as lu, j'ai aussi lu. Avec beaucoup de temps. Mais j'ai cherché à comprendre pourquoi on assimile M. Biya à ça. Et j'ai cherché à comprendre cette histoire que j'ai lue. Et je vois, je comprends qu'on assimile M. Biya à Moïse parce que Moïse a échoué dans son projet. On veut dire que M. Biya a échoué. On veut dire que M. Biya a échoué. C'est ce que moi je veux présenter ici. Comme Moïse a échoué, selon ma compréhension, les preuves sont là, selon ce que la Bible dit et selon les réalités d'aujourd'hui où se trouve le peuple juif, la terre soi-disant promise. Je vois qu'ils ne sont pas où ça coule, où coule l'eau, le miel. Ils sont plutôt où coulent les bombes. Le feu, le sang, la famine. Jusqu'aujourd'hui, le peuple d'Israël n'a pas trouvé refuge. Ils se sont même éparpillés dans tout le monde. Partout, on les chasse. Moïse les a enlevés en Égypte, là-bas. De disant qu'il allait leur promettre un endroit, je ne sais pas où. Jusqu'aujourd'hui, rien. Donc, Moïse aura, ayant échoué à son projet, si M. Biya est Moïse, alors M. Biya a échoué à son projet. Kelanina, oui, tu as raison. J'ai lu, mais je n'ai rien compris. Tu as raison. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Si c'est possible, s'il te plaît, fais-nous soit un live ou bien un post qui nous explique que M. Moïse a réussi. Ou bien qui donne une autre vision de cette chose-là pour que je puisse, moi aussi, apprendre. Tu vois un peu? Ok, donc il n'y a pas de, on va pas se faire la guerre. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Si Moïse n'a pas échoué, alors M. Biya n'a pas échoué parce que M. Biya est Moïse, selon beaucoup de Camerounais. Il y a au moins 3 millions de Camerounais qui pensent que M. Biya est Moïse, qui croient en ça parce que selon eux, Moïse aurait réussi quelque chose. Et moi, je suis en train de vouloir gagner les 3 millions en leur disant que non. Moïse a échoué. Mais je sais que vous ne comprenez pas ce genre de tactique politique, de communication. Donc, en fait, si tu, Kelanina, si tu vois que tu as un peu d'espace, ou bien tu me contactes personnellement, si tu participes à mes lives, c'est-à-dire que nous sommes amis, et tu me fais un peu une explication de. Il prouve que M. Moïse a réussi son projet. Tu me fais signe. Vraiment, je suis ouvert à voir où il a réussi. Parce que j'ai appris qu'il a réussi quand j'étais petit. Depuis que j'étais petit, jusqu'à ma tendre jeunesse, 20, 21 ans, je savais qu'il avait réussi. On m'avait dit qu'il avait réussi. Mais après, j'ai commencé encore à re-questionner sa réussite. J'ai vu qu'il a échoué. Donc, ça veut dire que j'ai fait le premier pas. J'ai d'abord vu qu'il a réussi comme toi. La différence entre vous et nous, c'est que, ou bien toi et moi, c'est que,
peut-être tu n'as pas re-questionné l'histoire de la réussite de Moïse. Moi, j'ai d'abord appris qu'il a réussi. Après, j'ai re-questionné. Est-ce que c'est ça la réussite? Qu'est-ce qu'on appelle réussite ici? Je ne vois pas. Bon, bref. Monsieur Biadon, il trahit le peuple. Il dit au peuple qu'il va donner au peuple un Cameroun promis. Cameroun où va couler la démocratie et la prospérité. Monsieur Biya prend donc le bâton de pèlerin. Il se lance dans le désert de la France-Afrique. Et il tourne avec le peuple camerounais dans la misère, dans ce désert, pendant 40 ans. Il cherche la terre promise. 40 ans de déplacement. Il dit que je ne comprends même pas. 40 ans, on tourne. Oh, ça arrive, je vois quelque chose là-bas. Il y a quelque chose. Monsieur Biya avait la foi. La foi. Kelanine a dit, tu ne gagneras personne. Au contraire, tu te perds de chaque fois que tu raisonnes ainsi. J'ai commencé, Kelanine, si tu étais là au début, j'ai commencé mon discours en disant exactement que je suis quelqu'un de perdu. En disant que c'est parce qu'on a peur d'être perdu qu'on commence à imaginer des repères. En fait, nous avons créé Dieu, nous avons imaginé Dieu parce qu'on a peur d'être perdu. Dieu n'existe pas. J'ai commencé d'abord mon truc avec ça. Dieu n'existe pas. Parce qu'il n'y a que ce qui peut ressentir des émotions, ce qui peut penser et ce qui peut actionner la pensée qui existe. Et c'est la seule seule chose, c'est toi. Mais c'est parce que tu as peur de toi, de tes limites, dans cet univers si vaste, tu crées donc des repères, des limites autour de toi, une coque, un ego, une maison que tu appelles Dieu. Et c'est donc là-bas que tout sur ton monde se forme. Tout tourne autour de ça. Toute ton idéologie, ta philosophie, ta vision du monde a cette limite de ton Dieu. Mais si tu comprenais qu'en fait, c'est ce qui existe qui peut inventer, qui peut imaginer. Alors comme tu existes, c'est toi, en fait, qui invente, qui imagine. C'est toi qui es capable. Tu n'as pas de repère, en fait. Tu n'as pas de repère. Tu n'as pas besoin de repère pour exister, parce que tu existes. C'est ça, la vérité. Dieu, toi, c'est l'imagination. Mais tu, toi qui imagines là, toi qui penses, toi qui prie, toi qui marche, toi qui ris, c'est toi qui existe. Donc, moi, au contraire, j'ai dit ça au départ pour que les gens ne viennent pas avec des contradictions ou bien des arguments qui ne tiennent pas. Moi, je dis ceci. Je vais d'abord détruire pour que quelqu'un ne vienne pas me dire que je suis perdu. Machin. J'ai détruit ça. Je suis perdu. Et je vis bien perdu. Je veux dire en termes de... J'ai la liberté d'être perdu. Quand je suis perdu, je suis libre. Donc, je dis ceci. Monsieur Biya traîne donc avec le peuple camerounais dans la terre pour pendant 40 ans. Nous n'avons jamais atteint la démocratie. Nous n'avons pas la prospérité. Les libertés fondamentales sont bâillonnées par des lois
Comme Moïse a pris des lois là-bas sur la terre, inventé les lois là-bas sur le mont, c'est aussi comme ça qu'il est venu prendre les lois. Monsieur Biya fait seulement les lois pour bâillonner les libertés fondamentales, pour mettre les lois qu'il invente tous les jours, qu'il a eu à créer, c'était pour bâillonner. Exactement comme Moïse, patron des lois. Il a pris toute l'assemblée où on ne vote que les lois qu'il arrange, qu'il l'aide à rester au pouvoir. Mais le peuple camerounais, sous la servitude des puissances extérieures, la servitude néocoloniale, est toujours dans le désert. Et actuellement, le Cameroun est en feu, quelque part. Comme le, où Moïse a laissé le peuple de Dieu, le peuple et les Israélites. Les a laissés où les Israéliens? Il les a laissés où? Dans le feu. Ils sont dans le feu. Les Israéliens sont dans le feu depuis qu'ils existent. Tellement ça n'a pas marché que chacun a pris sa route. Ce qu'on appelle le sionisme, je pense que c'est ça. Ils sont partout, partout, ils sont partout, les Juifs sont partout. Ils n'ont pas une terre. Ils cherchaient les terres promises jusqu'en dernières années où on leur a dit que, ok, oui, en fait, la terre promise que vous voulez pousser, en fait, c'est là-bas au milieu des quelque part là-bas en Israël, quelque part, c'est là-bas. Allez là-bas, créez ça. Tout le monde est rentré là-bas. Oh, enfin, voici la terre promise. Jusqu'aujourd'hui, le miel ne coule pas là-bas. Le lait ne coule pas là-bas. C'est les bombes. La souffrance et la misère atroce. C'est la même situation. Le feu au nord, ouest, au sud, ouest. Moïse est là. Et Dieu, Paul Biya Moïse est là. Paul Biya Moïse est là. Le sauveur est là. La misère, la souffrance, les maladies, la pauvreté la plus abjecte, l'immondice. Le Cameroun, c'est une poubelle béante. Moïse est là. Les populations crient, pleurent, comme les Israéliens pleuraient dans le désert. Criaient, tu nous as fait, tu nous as eu. Mieux tu nous laissais là-bas. Mieux tu nous laissais. Au moins ils étaient là, au moins ils nous donnaient. Et c'est vrai. Au moins les pharaons donnaient quand même des petites huttes. Au moins même les colons, quand ils étaient encore là, ils construisaient quand même une route. Il y avait quand même un peu petit soin, petit ordre. Depuis qu'ils sont partis, c'est grave. Depuis que Moïse a pris le destin du Cameroun en main, c'est le désordre fatal. C'est un désordre qui n'a pas de nom. C'est une pauvreté, c'est la misère qui s'accentue. Et comment comprendre que vous suivez un leader qui croit en Dieu? Quelle contradiction! Attention! Moi, l'amour que j'ai pour les hommes dépasse l'amour qu'ils ont pour Dieu. Kelanina, c'est vous qui avez une compréhension haineuse de la vie. C'est pour vous, si vous n'aimez que vous ne soutenez que ceux qui sont comme vous. Vous n'aimez que les gens qui vous ressemblent. C'est du narcissisme. C'est un peu ça le problème de la religion. C'est que ça crée des narcissiques qui ne s'ignorent en fait. Vous n'aimez que vous-même. Quand vous regardez les gens, c'est parce que vous vous projetez sur eux que vous aimez. Quand vous dites que j'aime telle personne, ce n'est pas parce que cette personne, parce que vous avez de l'amour en vous pour les autres. Non, c'est parce que vous voyez en cette personne, vous projetez en cette personne. Moi, je n'aime pas le leader camerounais Maurice Kamto parce qu'il serait de ma tendance ou bien machin. J'aime Maurice Kamto plus que Maurice Kamto aime Dieu. Tu comprends? Donc, vos amours pour Dieu n'empêchent pas mon amour pour vous. Vos amours pour Dieu ne m'empêchent pas de voir votre humanité. De reconnaître les capacités humaines en vous. De toute façon, c'est tout ce que moi je reconnais en l'homme.
Donc, je peux même aimer quelqu'un qui croit en Dieu. Tous mes amis que j'ai, les gens croient en Dieu. Mais j'ai la capacité, je sais que c'est une hallucination et qu'ils ne reconnaissent pas juste ce qu'ils sont. Voilà pourquoi je ne peux pas les rejeter. Parce que l'amour que j'ai pour les humains est plus grand que votre amour que vous avez pour Dieu. Voilà pourquoi je peux suivre un leader politique qui croit en Dieu. Je ne le suis pas parce qu'il croit en Dieu. Je le suis parce que ce qu'il veut faire, les idées qu'il propage, sont les idées qui sont en accord avec ce que je pense de la justice, de l'humanité, ce que je pense que l'humanité doit être. Et sont ces idées. Le jour où la personne ne fera plus ou bien va démontrer le contraire, je ne serai plus. Parce qu'on n'aura plus rien en commun. Ok? Donc j'espère que je t'ai... hein, nous sommes d'accord. Kélanina, moi je t'aime beaucoup. Je t'aime plus que toi tu n'aimes Dieu. Je sais que toi tu ne m'aimes pas. Tu m'aimes moins que tu aimes Dieu. Je sais. Mais pas d'inquiétude. Mon amour ne dépend pas de toi. Ça dépend de moi. Ok? Donc c'est ça. Et Monsieur Biadon Moïse a échoué. Le sauveur a échoué. Parce que tous les sauveurs échouent. Le deuxième sauveur, j'ai suivi Monsieur Biadon, serait comme Jésus. J'ai suivi des gens dire ça. Je vais vous raconter l'histoire de Jésus. Pour que vous compreniez qui était Jésus. Jésus était exactement comme Moïse. C'était un hallucinateur. Il hallucinait. Quelqu'un qui vous dit qu'il est le seul fils unique de Dieu, est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez que cette personne est normale? Le fils unique. Est-ce que vous trouvez quelqu'un qui se présente comme le fils de Dieu? Est-ce que vous trouvez que cette personne est normale? Vous ne pouvez pas trouver. La majeure partie d'entre nous ne sont pas normales. La majeure partie d'entre nous n'est pas normale, pardon. Donc, je sais qu'on ne pourra pas trouver que Jésus est anormal. Jésus n'a pas lui-même pu se sauver. Mais il voulait sauver l'humanité. Il voulait sauver le peuple. Il voulait sauver. Même Jésus lui-même n'a pas pu se sauver. Il n'a pas pu se sauver qu'on était obligé de raconter une histoire qu'il vous a sauvé. Parce que lui, il est mort. Mais ce que vous ne remarquez pas, c'est que le Sauveur Jésus, sur la croix du Calvaire, selon les écrits de la Bible, lui-même, il a demandé à son Père, « Gars, pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu m'abandonnes? J'ai cru, j'avais la foi que tu allais faire quelque chose. » Il a espéré jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute. Que Dieu allait faire un miracle. On a dit qu'il a sauvé Balthazar de la mort. Il a ressuscité Balthazar. C'était Balthazar, je ne sais pas. Ou c'était qui? Ceux qui connaissent le nom de celui qui l'a ressuscité de la mort, donnez-moi. C'est Balthazar qui me vient en tête. On dit qu'il a ressuscité Balthazar. Il a marché sur l'eau. Il a fait ceci. Il a transformé l'eau en vin. Le jour de sa mort, parce qu'on a quand même réussi à l'attraper pour le tuer. Le jour de sa mort, il a demandé à Dieu que, gars, comment? Pourquoi tu m'abandonnes? Voilà un sauveur qui n'a pas lui-même réussi à se sauver. Mais qui disait qu'il venait sauver l'humanité. Voilà le problème des gens qui hallucinent. C'est ok, Nena, moi j'aime mon prochain, oui, tu aimes ton prochain, mais tu aimes plus Dieu que ton prochain, quand même, sois sincère, ou bien, Nena, c'est vrai, tu aimes plus Dieu que ton prochain. Elle avait dit que si on te demande de choisir entre l'amour que tu as pour Dieu et l'amour que tu as pour ton prochain, on met Dieu ici, même si on dessine seulement le nom, on dit Dieu, et puis on met prochain, on te demande d'aimer, de choisir, tu vas pointer Dieu, tu ne vas pas pointer prochain, tu aimes ton prochain, certes, mais tu aimes plus Dieu que ton prochain.
Il m'a sauvé et tout le monde. C'est OK. C'est ce que je suis en train de dire. Jésus, donc, sauve, promet sauver. Il s'octroyait même le pouvoir de taper les gens dans les églises, de fouetter les gens au bâton. Il ne se prenait pas pour n'importe qui, hein. Et pourtant, il ne se prenait pas pour n'importe qui. Mais le dernier jour, Jésus, sur la mort, sur la croix du calvaire, tous les fidèles étaient là, ou des fidèles, je ne sais pas quoi, les gens, ces gens qui l'aimaient. Il a dit, Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi m'abandonnes-tu? C'est que même lui, maintenant, à la dernière minute, il a quand même encore cru que, merde, ce que j'avais dit que je suis le fils de Dieu, c'est pas vrai. Hein? Les miracles et tout ça, c'est pas. Qu'est-ce qui se passe? On était obligé de raconter cette histoire en disant que, ok, certes, il est mort. Certes, il est mort, mais bon, il est mort pour vos péchés. Donc, sa mort, son sang qui a coulé a pardonné vos péchés. Mais si ça a parlé dans les péchés, jusqu'aujourd'hui, les gens qui ont péché et qui sont pardonnés par les péchés, qui sont sauvés jusqu'aujourd'hui, demandent pardon pour les péchés. Le sang de Jésus n'a pas suffi pour nettoyer tous leurs péchés. Je ne sais pas comment le sang, les gens peuvent concevoir qu'on doit verser le sang pour eux. Je ne sais pas comment des êtres humains normaux ne voient pas que c'est le culte, l'histoire biblique, c'est le culte du sang. Le culte de la violence, des gens qui conçoivent qu'un autre être humain verse le sang pour eux. Et qui s'en félicitent, et qui sont fiers. Je ne vois pas si, je ne sais pas si vous voyez jusqu'où nous sommes méchants. Jusqu'aujourd'hui, le peuple camerounais qui est sauvé par le sang de Jésus, est dans une misère atroce, une souffrance exceptionnelle, l'immondice, pas possible. Mais leurs péchés sont pardonnés. Par le sang de Jésus, ils sont sauvés. Donc ils vivent avec une idée que bon, je peux vivre ici, bon. C'est ça. Les sauveurs ont tous échoué à sauver les gens. Pourquoi je viens tomber et finir ici? C'est ce que je voulais dire ce matin. C'est parce que le président Maurice Kamto, président du MRC, a fait une sortie où il a eu à expliquer, il a été clair, il a décrit le mythe du sauveur. Un mythe que j'ai combattu plusieurs fois dans mes lives, parce que j'avais vu que les Camerounais conditionnés à l'idée de sauvetage et des sauveurs tombent facilement et tomberaient facilement, si on ne les éveille pas, tomberaient facilement dans la facilité d'attendre les sauveurs, qu'ils ont toujours. On leur a toujours envoyé des sauveurs, ils n'ont jamais été sauvés, mais ils attendent toujours un sauveur parce qu'ils sont conditionnés comme ça. Le président Maurice Kamto, que je salue et félicite d'avoir courageusement dit, je ne suis pas. C'est eux qui disent que l'autre là est Moïse. Ils disent qu'il est Jésus. Moi, je suis un simple citoyen. Et je répète encore, le président Maurice Kamto ne se bat pas pour nous. Non. Le président Maurice Kamto ne cherche pas à sauver les Camerounais. Non. Le président Maurice Kamto lui-même, il subit encore la servitude. C'est un simple citoyen qui a compris qu'il ne peut pas vivre dans la servitude. Qui a pris ses responsabilités en main. Il a partagé ce projet avec les autres. Si vous trouvez que vous voulez sortir de la servitude, engageons-nous ensemble et on change la réalité des choses. Ce mystère est grand
et n'est que donné et comprendre celui qui en est digne. C'est vrai, Kelanina, tu es digne. Tu es digne de comprendre ce truc-là. Ce n'est que donné à toi. La compréhension du mystère, ce n'est que donné à toi. Parce que tu es femme digne. Tu es la digne fille de Dieu. Moi, je suis un bâtard, je ne sais pas. Quelqu'un dépourvu de toute intelligence, je ne comprends rien. Et passe-moi moi, même ceux qui pensent autre comme moi. Mais c'est OK, c'est OK. Bon dimanche, tu vois un peu. Et c'est ça le problème avec nous, c'est que nous sommes égocentrés. La religion a créé des personnes qui sont imbues d'elles-mêmes. Elle a donné des fausses appréhensions de soi-même à des personnes. C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un qui ne peut même pas nommer une émotion qu'elle traverse ou qu'il traverse, te dit que lui, il est le digne fils de Dieu, il est digne de ça, et lui, il est digne de cette compréhension. Parce qu'il a... Qu'est-ce que tu as fait pour mériter la compréhension du ciel et de la terre, des choses divines? Tu as fait quoi? Rien. Mais non, mais tu t'accapares d'une dignité. Et que l'autre qui parle, c'est quelqu'un... Bon, il ne comprend pas parce qu'il n'a pas, Dieu n'a pas trouvé digne de la compréhension. Et voilà, voilà le problème que nous avons. Kamto l'a dit parce qu'il sait qu'il n'a qu'un seul sauveur, Jésus-Christ. Kamto a dit ceci. Kamto n'a pas dit. N'interprète pas ce que le président Kamto a dit. Ne lui ajoute pas des interprétations. Kamto a dit, je ne suis pas Moïse. Il n'est pas ça. Il est un simple citoyen qui, lui aussi, veut que les choses changent. Il subit lui-même la servitude. Il subit lui-même la misère. Parce que souvent, les gens disent, Kamto, hein, vous voyez que Kamto a besoin de ça. Il a de quoi manger. Il a de quoi boire. Il n'a pas besoin de se battre. C'est pour vous qu'il se bat. Non, quand vous dites ce genre de discours, c'est le discours du Salvateur, du Sauveur, pardon. C'est ce discours qui naît toujours du conditionnement religieux des sauveurs qui viendront. Un jour, vous sauvez et pendant ce temps, vous attendez le sauveur. Non. Kamto a dit, je ne suis pas le sauveur. Donc, ce n'est pas, il n'y a pas de promesse. Parce que les sauveurs ont quelque chose. Les sauveurs ne peuvent que fonctionner avec promesse. Et la promesse a toujours tout à voir avec le futur. La promesse du salut est toujours futuristique. Pendant que le salut, lui, il est maintenant. Le salut est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Ça ne viendra pas après. Parce que si vous attendez ça après, vous êtes en train de demander un sauveur. Et on va vous remplir le vide avec un sauveur. Regardez, Monsieur Biya promet l'émergence en 2000, je ne sais pas combien. On remplit le vide avec sa moïsité et sa jésusité. Les sauveurs ne sont pas dans le temps. Les sauveurs sont des personnes toujours hors du temps. Les Moïse ne sont jamais dans le temps. Les Moïse sont toujours hors du temps. Ils ont toujours besoin juste d'une promesse de demain. Ils sauveront le monde demain. Ils viendront et tout sera beau demain. Il faut... Non! On n'a qu'un seul temps. C'est le présent. C'est maintenant. Le passé et le futur ne sont pas un temps. Ça ne fait pas partie du temps. C'est maintenant. C'est notre engagement maintenant. Chaque individu qui s'engage maintenant, qui fait face à la réalité existentielle, que le pays, que sa vie, que la vie de ses enfants maintenant, pas la vie de ses enfants demain, pas la vie de ses enfants hier, de ses parents hier. Non, je dis que la vie maintenant, la réalité maintenant, tu regardes ton lit, tu regardes ta chambre, tu regardes la maladie de ton père, de ta mère, de tes amis, de tes enfants. Là, maintenant, regarde la situation de ton pays maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre l'action. Parce qu'il n'y aura pas de sauveur
Tous les autres sauveurs ont échoué. Et le sauveur est appelé à échouer parce que le sauveur est toujours une promesse. Le sauveur est appelé à échouer, de sauver. Tous les sauveurs ont essayé. Il y a Gandhi. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Gandhi, Gandhi fait la même chose. Oh, Gandhi, en Inde, c'était, oh, il va libérer les Africains de la domination, je sais pas quoi, de la domination du royaume d'Angleterre et tout, oui, tout ça. Les gens, oh, Gandhi, blablabla. Fin de fin, quand les Anglais sont partis, quand les colons sont partis, le pays a tourné en bourrique. On tuait les hindous au Pakistan. Et on détruisait les musulmans en Inde. C'était la catastrophe. Jusqu'à même Gandhi lui m'a dit qu'il regrette. Parce qu'avant, il disait que je veux vivre 125 ans. Pour voir comment le pays va changer. Pour voir comment les choses vont changer. Quand la révolution est arrivée et que les Anglais sont partis, Gandhi lui-même a dit que non, non. Il ne veut plus vivre 125. Je pense même que la personne qui a tué Gandhi lui a dit merci. Merci de m'avoir libéré de ce fardeau. Je n'ai pas pu donner à ce peuple ce que je leur ai promis. Pourquoi c'est le cas? Parce que le sauveur ne peut pas vous sauver. Dans la nature des choses, un homme ne peut pas sauver un autre. Une conscience ne peut pas sauver une autre conscience sans la volonté de l'autre conscience. C'est-à-dire que rien ne peut se faire sans ta volonté. Le changement, l'amélioration de ta vie dépend de toi, de ta participation totale. Personne, tu ne pourras pas t'asseoir là et dire « ça viendra ». C'est ta participation. C'est toi. C'est pour ça que j'ai commencé par dire c'est toi. Au début de mon live, j'ai dit c'est toi. C'est toi qui es au centre des choses. Personne ne viendra te sauver. Même pas Moïse, Paul Biya. D'ailleurs, il a échoué comme Moïse a échoué. Monsieur Paul Biya a échoué exactement comme Moïse a échoué. On a dit qu'il était Jésus. Il a échoué comme Jésus. Il a échoué comme Jésus. Échoué. D'ailleurs, Jésus a tellement échoué que même l'histoire qu'on a racontée sur lui était une fausse histoire. On vous dit que Jésus a été tué. Il a ressuscité le troisième jour. C'est une fabrication. Jésus n'est pas mort sur la croix. Jésus n'est pas mort sur la croix. L'homme que vous appelez Jésus là, il n'est pas mort sur la croix. Jésus est mort dans un village au Cachemire. Au Cachemire où il est mort dans ce village là, c'est un village qui a été créé par certains membres de sa famille qui étaient au désert avec Moïse là-bas, qui ont fui. Parce que le peuple israélien s'est décapité, s'est écarlaté parce qu'ils cherchaient la terre promise. Moïse les avait trompés. Donc, certains sont partis au Cachemire. C'est là-bas que Jésus a été amené. Parce que la croix que les Romains utilisaient pour torturer les prisonniers ou bien les gens qu'on torturait, c'était l'Empire romain qui était là-bas et qui dominait, c'était une croix qui n'était pas faite pour te tuer directement. Tu mourrais seulement après peut-être 24 heures ou 48 heures. Parce qu'on ne te tuait pas. D'ailleurs, vous allez voir, dans l'histoire, on vous dit qu'on a mis une couronne, on a percé un peu. On a percé un peu ici. On a percé les clous ici. Donc, on te laissait mourir d'une mort lente, mais tu ne mourrais pas directement. Tu perdais le sang. Avec le temps, tu tombais évanoui. Tu t'évanouissais, pardon. Et c'est comme ça que
24 heures après, tu mourais de fatigue, d'épuisement. C'était cette mort atroce qu'on livrait. Mais on nous dit que directement quand Jésus a été piqué, machin, le ciel s'est assombri et on a descendu Jésus directement. Quand on descend Jésus, Jésus n'est pas encore mort. Il n'est pas mort. Donc ceux qui croient qu'il est mort pour pécher, il n'était pas mort. Jésus est donc amené dans ce que j'appelle la pierre tombale, je ne sais pas où. Et tout est fait de telle sorte que on a mis deux gardiens devant le truc. Et la famille de Jésus vient donc dans la nuit prendre, ramasser Jésus dans la tombe, soi-disant tombe là-bas. Et le transporter manu militari, traverser le désert, partir jusqu'au Cachemire. Où ils avaient de la famille. Une famille ancienne. En fait, Ponce Pilate ne voulait pas tuer Jésus. Ponce Pilate étudie, parce que Jésus, entre guillemets, était un petit... Quelqu'un qui a halluciné au quartier, là. Un peu comme les... Je ne sais pas comment dire. Un petit homme, un jeune homme politique, un petit homme politique qui parlait beaucoup de lui, se faisait important ou quoi. Mais il ne dérangeait pas trop. Mais il dérangeait beaucoup plus les siens. Ce sont les siens qui disent à Ponce Pilate que gars, le gars s'il doit mourir. Il dit qu'on libère Barabbas. Le mec, s'il a des choses, il raconte des choses là, non, ça nous dérange. Il vient, il fouette les gens à l'église et tout ça. Ce n'est pas bon. C'est comme ça que. Parce que Pilate, l'Empire romain gérait dans le coin. Il fallait faire semblant d'écouter les rêves, les aspirations du peuple. Pour que le peuple fasse ce que tu veux. C'est pour cela qu'avant de tuer, Ponce Pilate lave les mains. On dit que l'acte là, on appelle ça quand tu fais la Ponce Pilatitude, c'est que tu, quand tu veux te débarrasser des responsabilités. Ponce Pilate dit que c'est vous qui avez tué votre frère, ce n'est pas moi. Jésus avait beaucoup d'amis dans l'aristocratie romaine. Les riches, d'ailleurs, dans la Bible, il vous a dit que Jésus causait avec des riches. Et il disait aux riches là que vous n'entrez pas. Vous pensez que quelqu'un qui causait, si les riches ont envie de causer avec les gens au quartier. Non. Les riches n'écoutaient pas les gars du couat. Jésus avait des amis aristocrates, des pharisiens, des gens qui savaient lire, des gens qui étaient éduqués un peu là, à qui il donnait, il parlait ses paroles. À qui il disait ses belles paroles. Ce sont ces gens qui ont sauvé Jésus. Quand vous entendez que Albin Zonga a vu être attaqué ici, là, et que c'est même les gens du RDPC qui l'ont sauvé, c'est comme ça que ça marche avec Jésus. Ce sont ces gens qui sauvent la vie à Jésus. Ce sont ces gens qui font le plan de laisser Jésus sortir de la pierre tombale et partir. Pour faire de cette histoire quelque chose d'extraordinaire, parce que l'Empire romain voulait utiliser donc ça pour créer donc tout un vent, une religion, on appelle le christianisme, ils étaient obligés donc de façonner cette histoire, de donner à ça quelque chose d'extraordinaire. Il est ressuscité, troisième jour, il est sorti, il avait les trous ici, il montait là-bas. Non! Jésus a été manu militari et transporté au Cachemire. Jusqu'aujourd'hui, pour ceux qui sont curieux, peuvent aller voir la tombe de il devait s'appeler Isha, Issa, en langue araméenne. C'est là-bas posé. L'histoire, la vérité sont là. Ceux qui disent qu'il les a sauvés, il n'y a pas de sauveur. Le peuple camerounais, chaque citoyen camerounais doit comprendre que la réalité du Cameroun, c'est son affaire. C'est son engagement. Ça ne viendra pas demain. Et le sauveur ne viendra pas. Le Moïse qu'on vous a présenté là, c'est un échec. Parce que le vrai Moïse a échoué. Dans le deuxième qu'on appelle Paul Biya, les preuves sont laquelle il a échoué. Ça ne sert à rien d'écrire des livres sur l'échec d'un homme. Vous êtes méchant. Monsieur Biya sait déjà qu'il a échoué. Vous ne pouvez pas encore écrire que Monsieur Biya est Moïse. C'est ça le coup d'état scientifique.
C'est ça qu'on appelle le coup d'État scientifique. C'est ça qu'on appelle le coup d'État scientifique. Vous partez écrit, Paul Biya et Moïse. Non, mais les femmes Ndongo doivent être arrêtées. La DGSE doit arrêter les femmes Ndongo et tous ces gens-là qui disent que Paul Biya est Jésus, que Paul Biya est Moïse. Ils sont en train de dire de manière subliminale que Paul Biya a échoué parce que Moïse a échoué. Jésus a échoué. Alors, par conséquent, Paul Biya a échoué. Il a échoué parce qu'il a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Il a échoué parce que le Cameroun actuellement, comme tous les autres sauveurs, ont fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues. Moïse a dit qu'il allait, envoyer le peuple dans la terre où coule l'eau et le miel. Ce n'est jamais arrivé. Jésus a dit qu'il venait vous sauver, machin. Lui-même n'a pas pu se sauver lui-même. Il a été torturé, il a même demandé lui-même à Dieu, pourquoi tu me fais ça, pourquoi tu m'abandonnes? Même lui-même, à la dernière minute, il a douté un peu de l'amour de son père pour lui. Donc c'est un échec total. Oui, Paul Biya, c'est Moïse. Oui, Paul Biya, c'est Jésus. C'est la raison pourquoi Paul Biya, comme Moïse et Jésus, ont échoué. Le peuple camerounais n'attendait plus de sauveur. Il n'y a pas le temps à perdre. Maurice Kamto a encore bien précisé, lui n'est pas là pour vous sauver. Maurice Kamto est un simple citoyen aussi qui fait face à la dictature, à la malgouvernance, à la misère provoquée et qui prend ses responsabilités à main et dit, bon, ok, moi je veux que ça change. Chacun d'entre nous doit dire, je veux que ça change. Parce que chacun d'entre nous vit ces difficultés, cette misère imposée, cette souffrance, cette domination, cette servitude imposée, c'est chacun d'entre nous. N'attendez pas, il n'y aura pas le sauveur. Ça ne viendra pas. Si vous ne faites pas, si le peuple camerounais ne fait rien, le pays ne va pas changer. C'est tout. Est-ce que je vous l'ai dit ce matin? Merci de m'avoir suivi. J'espère que je sais que je fais choc très souvent quand j'aborde ces sujets collés avec la religion, parce que beaucoup d'entre nous tiennent vraiment à, ont besoin de quelque chose sur quoi s'accrocher pour continuer à exister. Si tu leur retires le bâton, comme des vieillards, si tu retires un vieux, à une vieille personne le bâton, elle ne va plus marcher, elle ne va plus fonctionner. La religion, c'est un peu comme une béquille pour beaucoup de personnes dans la vie. Et si je viens et je commence à faire à argumenter, à exposer certaines choses que je pense. Ça, ce sont mes pensées, ce n'est pas la vérité. Attention, si je commence à parler autrement, là, les gens commencent à trouver, ressentir certaines inimitiés envers moi. Parce que je suis en train de, c'est comme si je suis en train de leur retirer un bâton et je suis en train de leur dire marche. Ce sont les personnes qui croient au miracle, mais en fait, qui ne veulent pas le miracle. Moi, je viens et te dis, je te retire le bâton et te dis marche, parce que tu peux marcher. Mais tu dis non, je tiens tellement à mon bâton, je tiens à mon bâton. Pourquoi? C'est toi qui as mal compris. Mon bâton aussi me sert à marcher. Non, mais tu es jeune, tu as tes deux pieds, je vois que tu as tes capacités, tu as tout. Le problème est mental, tu penses seulement que tu ne peux pas marcher. Attends, je te retire le bâton. Donc, ça fait toujours très choc. Et les gens ne sont pas très d'accord, beaucoup. Et d'ailleurs, même notre soeur Kélanine a dit ça, elle a fait ce constat, et j'ai moi-même fait ce constat. Beaucoup de gens ont arrêté de me suivre simplement en cause de ce fait. C'est que je vais jusqu'à provoquer leur handicap, leur croyance, leurs choses. Mais chacun a le droit de croire à n'importe quoi et à n'importe quel père Noël. Mais il y a une chose qu'il faudrait que nous tous on comprenne, qu'on le veuille ou non. Ce qui rend notre vie meilleure, ce qui nous fait réussir dans tout, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. C'est la clarté de perception. C'est la capacité de voir clair. Ce qui nous mène d'un point A à un point B, c'est de voir clair la route sur laquelle on est en train de partir. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Donc, si nous voulons réussir les choses dans ce monde, si nous voulons réussir en termes politiques, si nous voulons réussir le changement, le passage au troisième
Cameroun. Si nous voulons le réussir dans la paix et par les unes, si nous voulons le réussir de manière humaine, nous devons comprendre que nous devons mettre la foi de côté. Ce n'est pas la foi, nous avons besoin de clairvoyance. Et la clairvoyance, c'est que ce n'est pas, c'est les yeux, c'est la capacité de voir clair, de ne pas être brouillé par des choses. Et moi ce que je fais, c'est que j'écoute le discours du RDPC, de l'opposition, je regarde les brouilles qu'ils ont mis, les filtres qu'ils ont mis, j'essaye de retirer les filtres pour qu'on puisse voir clair. C'est pour ça que j'ai pris dans le thème. Ils ont dit que M. Biya était Moïse. J'ai pris dans le thème pour vous démontrer que Moïse a échoué. Alors M. Biya a échoué. Je vous ai démontré que c'est un coup d'état scientifique. Ils sont en train de dire que M. Biya a échoué. C'est ce qu'ils sont en train de dire réellement. C'est ce, comme ça que nous devons comprendre. Peut-être eux, ils veulent qu'on comprenne ça comme étant que M. Biya a la promesse, il va venir, c'est lui qui va nous amener, oh, il va nous faire réussir. Non, aucun sauveur, aucun Moïse n'a réussi. Ce n'est pas M. Biya qui va le faire. D'ailleurs, les preuves sont là. C'était dans l'exercice que j'ai fait ce matin. Démontrer que M. Moïse a échoué, Moïse, la Bible a échoué, et vous démontrer que M. Biya a fait la même chose que lui. Alors, c'est normal qu'on dise que M. Biya, c'est Moïse. Si vous ne voulez pas l'échec, il n'y a pas à s'associer, attendre un Moïse. Si vous ne voulez pas l'échec, la seule chose, c'est de vous engager personnellement, être votre propre sauveur, au cas où vous aimez les sauveurs. Être votre propre sauveur. Et chaque citoyen doit s'engager personnellement. Et c'est ce que le président Maurice Kamto a dit dans sa dernière conférence. Merci. Et je vous souhaite bon dimanche à tout le monde. C'était quoi les MBK? Ciao.